Vous deux, donc nous allons devoir ouvrir cette porte. Pour cela, il va falloir des clés. Différentes choses. On va déjà s'intéresser à ce qu'il y a ici sur la gauche, là, ce petit pupitre. Et on voit que c'est un puzzle, alors on va le résoudre. Dessous, il y a un tiroir. Et lorsque nous aurons résolu ce puzzle, le tiroir en dessous pourra s'ouvrir. Alors, vous allez vite reconnaître la figure. C'est également l'icône d'un autre jeu, ça je me souviens plus du nom. Voilà. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à adapter les extrémités comme il faut. Il était bien, visiblement, celui-là. Enfin, le dernier. Eh bien, la figure, vous voyez là, elle est reconstituée, je dézoome. Le tiroir s'est ouvert, j'ai une loupe, bien sûr, je la prends. À quoi va me servir cette loupe? Eh bien, cette loupe va me servir ici, où j'ai un tas de post-it. Et là, j'ai un code-barre. Eh bien, grâce à cette loupe que je sélectionne, je peux lire ce code-barre et je ne retiendrai que les valeurs qui sont différentes de 0, soit le 9, le 3, le 6 et le 1. D'accord? Le 9, le 3, le 6 et le 1. 9, 3, 6, 1. Je dézoome. Je vais voir ici sur l'étagère. J'ai besoin d'un code, ça tombe bien. On va taper donc 9, 3, 6 et 1. Et là, j'ai une feuille marquée Open. Je la prends. Je regarde également sur ce bureau. Et j'ai 4 cylindres avec des hauteurs différentes à l'intérieur. On dira que ça c'est 1, que ça c'est 3. Donc retenez cet ordre, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Ça va nous servir où? Eh bien, on aperçoit quelque chose ici. Et l'on voit, vous voyez, des hauteurs à modifier. Ça, c'est le 1. J'appuie deux fois, donc 1, 2, 3. Puis après, on a trouvé juste avant le 2. 2, 2, 3. Voilà. Si je dézoome, le tiroir, la porte s'est ouverte. J'ai une machette. Je la prends. Pendant que j'y suis, je vais explorer également. Ici, dans ce placard haut, je l'ouvre. Et bon, il y avait un marteau, c'est ce que j'ai appuyé deux fois de suite dessus, et le marteau est arrivé donc dans mon inventaire. Maintenant, je vois tout un tas de papiers ici. Ce sont des photos et je distingue une forme grise rectangulaire. Ça, c'est un frigo. Eh bien, il faut que je l'ouvre. Pour cela, je vais mettre le papier marqué Open ici, et je vais ouvrir mon frigo, s'il veut bien, voilà, et le freezer. À l'intérieur, j'aperçois des clés dans de la glace. Je prends mon marteau, je tape, je libère mes clés. Eh bien, ces clés que j'ai récupérées, ce sont les portes, les clés de la porte de sortie. Je les mets en place. Ah, une main de zombie. Vite, la machette. Je transe le bras. Je remets mes clés en place. Je dézoome. J'appuie bien sur mes clés. La porte est ouverte pour passer au niveau 3.